Londres avait promis que ces Jeux seraient les plus verts de l'histoire olympique. Ici, ces terrains étaient auparavant une immense zone industrielle. Aujourd'hui, un grand parc qui accueillera des générations de Londoniens. C'est la première fois que chacun a pris en compte la dimension de l'écologie dans tous les différents aspects de la préparation des JO. Des transports à la logistique, de la gestion des déchets à la restauration, l'hébergement, la sécurité et la technologie. Lors de la construction du site, 2 millions de tonnes de sol pollué ont été nettoyées et réutilisées sur place afin d'éviter des transports coûteux en énergie. Durant les compétitions, la plupart des visiteurs arriveront en transport public. Pour les militants écologistes, les organisateurs ont tenu leurs promesses. Si les Jeux de Londres 2012 sont les plus verts de tous, oui, je pense qu'ils sont plus écologiques que Sydney et je pense que l'héritage a un meilleur potentiel que Barcelone. Certains sites bénéficient de technologies de pointe, comme le vélodrome, naturellement ventilé. Les services de restauration vont s'efforcer de transformer les déchets en compost ou en carburant. Mais dans certains domaines, Londres aurait pu faire mieux. Les objectifs en termes de carbone et d'énergie renouvelable n'ont pas été atteints. Et je suis un peu déçu par les produits labellisés JO. On aurait pu faire mieux autour du merchandising avec des designs différents, plus fun, et on aurait pu vendre des choses plus écolo. Là, franchement, on se retrouve avec les mêmes vieux trucs, mais avec un emballage recyclable. Les organisateurs ont également dû renoncer à utiliser un carburant propre pour allumer la flamme olympique. Elle marche au butane. Pourtant, il est encore très tôt pour dresser un bilan écologique des Jeux. Il se fera bien après la cérémonie de clôture. Le parc olympique survivra-t-il ? Jusqu'à présent, seul Sydney a réussi à éviter la rouille qui gagne les installations d'Athènes et Pékin.